J'adorais la mécanique. La première année, j'étais la seule fille, ça ne m'a pas dérangé du tout. Deuxième année, on était un peu plus, mais c'est pareil en fait, c'est plus le métier en lui-même, pas l'environnement. Donc c'est vraiment un métier qui m'a plu. C'était plus un choix en fonction de mes goûts plutôt que ce qu'il y a plus d'hommes. Moi, c'est par un BEP, productique mécanique. Ensuite, j'ai fait un bac pro, j'ai continué les études, j'ai fait un BTS. Et ensuite, j'ai fait une licence pro en gestion de production industrielle. Je voulais partir plus dans tout ce qui était mécanique, parce que mon papa est mécanicien, j'ai peut-être associé ça. Ça m'a toujours plu, le côté mécanique, le côté un petit peu manuel. En tant que chargée d'affaires, on gère des affaires, des projets, et que tant que le travail est fait, on peut être relativement autonome dans le déroulement du projet. On crée les pièces, et après on les contrôle. Mais pour les contrôler, il faut des documents de contrôle. Donc moi, je vais créer ce document. On va en fait définir la gamme de fabrication de la pièce, donc les différents postes où va aller la pièce pour être fabriquée. J'ai fait un bac S, option maths. Moi-même, au niveau formation, j'ai fait un bac scientifique, qui à l'époque s'appelait le bac C. Portes ouvertes, tout ça, qui m'a vraiment attiré quand j'ai vu les ateliers, tout ça, moi je me suis dit, ça y est, c'est mon truc. Le mélange homme-femme est très riche pour une entreprise. On n'a pas forcément les mêmes méthodes, la même façon de voir les choses, et je pense que c'est très bénéfique pour l'entreprise. Ce sont tous des dispositifs qui facilitent la vie de famille mêlée à la vie professionnelle. Il faut aimer son métier, c'est ça qui est important. C'est pas du tout une barrière de travailler dans un milieu masculin, pas du tout. On fait des avions, mais on fait pas des casseroles. Voilà, on fait pas des casseroles, on fait des avions.